simple, c'est la formation et le développement in vitro des embryons par culture des gametophytes mâles, c'est-à-dire soit par les cultures dentaires ou bien récemment par les cultures des microspores isolés. Donc, l'obtention des embryons androgénétiques, comme dans le schéma précédent, c'est par les deux voies, mais non la préférée par la culture des microspores isolés.